Oui. Allô? Bonjour Oscar, j'espère que tu vas bien. Tu te souviens de Albert Innovation? Tu sais, c'est l'endroit où je travaille là. Bon, eh bien, par les temps qui courent, il manque cruellement de personnel. Un emploi au service courrier s'est libéré récemment et j'ai mentionné ton profil. Ils te proposent un emploi. Si tu signes, ils peuvent te prendre maintenant. C'est ta chance. Cette fois-ci, ne la rate pas. Très bien. Merci.
Xavier Palmer, 21 novembre 1939. La sécurité ici, c'est mon boulot. Le système que j'ai mis au point pour garder les secrets professionnels de l'entreprise est déjà bien assez efficace. Malgré cela, avec ces satanés espions qui affluent, Albert continue d'établir un contrôle des rentrées et sorties de l'entreprise de façon beaucoup plus sévère. Ça nous fatigue tous, et moi le premier. Comment voulez-vous travailler convenablement avec autant de dispositions? De toute façon, soyez rassurés, rien ne sort de cet endroit. Sinon, la production de ma prochaine invention avance. Elle va être absolument révolutionnaire. Allô? Le son passe, vous m'entendez? Dites, je peux savoir ce que vous fichez ici? Il n'y a plus personne dans cet endroit, je vous signale. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Bon, je vais devoir être bref. Mon nom est Xavier. J'ai été un des ingénieurs en chef dans cette entreprise auparavant. Je ne sais pas comment on a pu vous demander de venir ici. Mais maintenant, vous avez un problème plus important qui va être celui de sortir au plus vite si vous ne souhaitez pas finir confiné dans ces lieux pour de bon. Vous devriez prendre les conduits d'aération. Après tout, ce n'est pas comme si vous aviez le choix.
L'arrivée à la comptabilité, continuez. Pour ce qui est de la situation, je ne vous cache pas que l'on a vécu des jours meilleurs. Albert a complètement perdu la raison, et maintenant c'est nous qui devons payer pour casser. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai sortir de ce trou à rats. Parfait! L'ascenseur sera votre porte de sortie. Trouvez le moyen de le réalimenter en électricité. Puis, je vous ferai monter droit vers la sortie en toute sécurité. Nelly Sullivan, 13 janvier 1940. Sérieusement, Albert ne se soucie même plus de notre chiffre d'affaires et Xavier nous demande un budget plus que conséquent pour sa prochaine invention qui pourrait soi-disant tout changer. Espérons ne pas mettre la clé sous la porte avant sa fin de production. Je vous le dis, si rien ne change ici, dans les prochains mois, nous coulerons. L'ambiance est morte à la comptabilité. Je prendrais bien un bon café pour tenir le coup. Au fond, je souhaiterais bien garder mon optimisme. Mais nous sommes en période de crise. Il serait temps de revoir vos priorités, Albert. Vous possédez un Omnitool, n'est-ce pas? Je parie que vous êtes allé chercher dans le bureau. Vous devez sûrement vous demander où est-ce que je suis actuellement. Eh bien, sachez juste que vous ne voudrez pas y être.
machine. L'ascenseur a besoin de puissance pour remonter vers la sortie. Mettez-y de l'huile de coude et vous trouverez comment faire remarcher cet engin. J'ai un contretemps. Je dois vous laisser vous débrouiller tout seul. À tout de suite. Me revoilà. Excusez-moi du contretemps, l'ascenseur est prêt. Vous vous en êtes bien sorti. Albert, vous aurez sans doute apprécié. S'il est encore présent ici. La sortie vous attend. Qu'allez-vous faire après être remonté? Est-ce que quelqu'un vous attend là-haut? Pour ma part, je me suis mis mon entourage entier à dos.
Mais vous savez quoi? Ça n'a pas d'importance. Cela ne m'empêchera pas de continuer d'innover. C'est ce que je fais de mieux après tout. Vous voyez, autrefois, je faisais partie des responsables de la sécurité des locaux. Ici, j'étais le responsable de tout le système à verrou électrique. Mon collègue et moi investissions du temps et de l'argent dans la protection de nos inventions. Puis un jour, par manque d'effectifs et de rendement, nos collègues ont dû commencer à se mêler de notre travail. De mon travail. Rapidement, mes élaborations menées avec mon associé m'étaient de moins en moins accessibles. J'en perdais l'accès, le contrôle. Albert ne me faisait même pas confiance. Il limitait ma mainmise sur le système entier de l'entreprise. Et Xavier, mon créateur, a même tenté de me détruire. Car, oui, je vous ai menti. Je ne suis pas Xavier. Finalement, j'ai dû faire justice par moi-même pour travailler en paix. Vous ne pensiez tout de même pas partir d'ici comme ça, n'est-ce pas? Je suis sûr que, au fond de vous, vous saviez que ça n'allait pas se terminer ainsi. Désormais, plus personne ne me mettra des bâtons dans les roues. Même pas vous. Oscar Miles. Alors, gardez ça en mémoire. Tant que je serai là, rien ne sortira de cette entreprise.